Bon, bah ça y est, c'est parti. C'est les vidéos pour vous aider à faire votre liste du Père Noël. Moi, ça va bien m'aider parce que j'ai pas fait ma liste et je sais vraiment pas quoi acheter cette année. Donc, très rapidement, je vais vous présenter sur cette vidéo spéciale Noël des instruments autour de la nature ou qui évoquent la nature, des instruments magiques et qui feront toujours plaisir. Donc, je commence tout de suite. Et ça, c'est une petite dédicace à Clisson. C'est là où se trouve notre showroom et le grand festival Hellfest. Voilà, c'est une petite dédicace. C'est parti pour les instruments spéciales nature. Je commence avec les chacapas. Ça vient d'Amérique du Sud. Ce sont des petites feuilles d'eucalyptus qui évoquent le son du vent dans les feuilles d'arbres. L'arbre de pluie, celui-ci dure 5 minutes. Fait de petites graines végétales et de perles de verre, ce sablier peut durer jusqu'à 40 minutes pour certains. Celui-là, 5 minutes. Et on retourne quand c'est terminé. Bien sûr, le bâton de pluie. Celui-ci dure quand même plus d'une minute. Le bâton de pluie cristalline. Le tambour océan. Les tambours, faits de peau animale et de bois local. Donc, notre best-seller, c'est celui-ci. Donc, le tambour en bison, voilà, en 40 cm. On a plusieurs fabricants, voilà. Donc là, avec une nouvelle poignée, par exemple, pour celui-ci. Vous les découvrirez sur le site. L'évocation du vent. Voilà cette jolie Ocarina Gaia. Donc ça, c'est fait par une céramiste juste à côté de chez nous, même pas à 10 km. Voilà, Ludmila qui fabrique ça. Elles sont superbes. Elle fabrique également des petites ocarinas. Celle-ci est une ocarina Orient. Bon, je vous le représente, mais voilà, le guide magique des instruments de la nature. Pour Noël, c'est super. Si vous avez envie de faire plaisir à un enfant qui aime bien se promener ou le faire aller dans la nature, allez avec lui et fabriquez des instruments de musique avec ce que vous trouvez dans la forêt. Hop, voilà, là par exemple c'est une écorce, là avec une noix, avec une feuille. Donc on peut faire plein d'instruments de musique dans la nature. Vous pouvez faire chanter une coquille d'escargot, vous pouvez faire devenir un marron en shaker et plein d'instruments magiques avec le guide magique des instruments de la nature. Petite dédicace également à Pierre qui a fait donc des carnets d'identification des oiseaux des jardins. Très pratique et facile à transporter, les carnets de Pierre. Dans les mélodies aériennes, la double flûte canne en la avec son bourdon. Alors vous connaissez peut-être la rombe, oiseau. Un petit bambou fendu sur 5 mm avec un biseau pour le faire chanter. Et on a aussi des coffrets à peau. Donc ça c'est vraiment génial. Donc par exemple là vous avez un coffret avec des à-peaux manuels. Donc tout ce qui se joue à la main, pas à la bouche. L'autre c'est les coffrets d'à-peaux soufflés. Pour les manuels, par exemple, vous avez les moineaux. On reconnaît les moineaux, là. Et ben ça, c'est le rossignol. Mais le rossignol, on l'entend que la nuit. Donc, faut pas être couché. Et enfin, tout le monde connaît celui-là, c'est le canard. Alors voilà les évocations de la nature. Évidemment, notre Père Noël est une branche. Une branche dans laquelle vous pouvez souffler. Les didgeridoo. Et ben voilà, on a fait un petit tour des instruments de la nature qu'on peut trouver à Mandalia Music.
On finit avec ce petit rideau de graines bendo et de graines canary qu'on peut voilà, entendre et ça donne une évocation de la pluie. Voilà, j'espère que j'ai été assez rapide pour ne pas vous avoir perdu et vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet. Si vous n'avez pas quoi prendre, il y a toujours les bons cadeaux. Vous pouvez prendre un bon cadeau et puis voilà, vous ferez toujours plaisir. Il y en a plein d'autres, hein, des instruments de la nature ici, mais bon, là c'est une petite sélection spéciale pour Noël. Donc bah, c'est parti, on y va. Allez, à bientôt.